plus l'habitude d'intervenir auprès d'élèves aux prémices de leur parcours professionnel. Là, pour certains, vous avez quitté le lycée technique depuis longtemps. Eh bien, on va peut-être parler de vos enfants en même temps. Mon parcours, en soi, il est atypique parce que j'ai pas de cursus scolaire. Je suis parti de l'école à 16 ans. Je savais, dès que je me suis dit, bon voilà, j'ai un objectif, être directeur du personnel. On a bien compris que tout a démarré quand vous vous êtes fixé un objectif en fait. Qu'est-ce qui a suscité cette envie? Je trouve que c'est un échange qui est enrichissant des deux côtés. Et ça me permet aujourd'hui de rendre un peu de ce que l'on m'a donné auparavant. Avoir un projet, c'est déjà se définir déjà dans sa vie ce qu'on veut faire. Moi, personnellement, ça va me permettre aussi de voir par rapport aux enfants que j'encadre, de leur dire qu'il faut se donner des objectifs et essayer de les atteindre. C'est impératif d'avoir son projet. C'est vrai que les objectifs, je suis tout à fait d'accord. Quand on a quelqu'un qui donne un coup de pouce ou qui donne des conseils, on y arrive. L'envie, la curiosité, il y a toujours des gens qui croiront en vous. L'échec, ça fait partie de la vie au même titre que le succès. Mais ça, il faut le dire.